Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un tutoriel, mais je vais un petit peu essayer de vous parler un peu de ce que j'ai reçu ces temps-ci. Donc j'ai reçu une photo, on va dire, dans mon email. J'avais une de mes abonnées qui m'avait demandé mes coordonnées pour pouvoir m'envoyer une photo d'une de ses réalisations qu'elle avait créées. En regardant mes vidéos sur une carte. Donc je l'ai reçue et je vous assure que j'ai été très très émue parce que voilà, j'avale mes mots parce que d'habitude je suis un peu nouvelle, je ne fais pas de courrier, je ne fais rien du tout, mais là je me suis dit que ça vaut une vidéo parce que franchement j'étais très très contente. Donc j'ai reçu cette réalisation qu'elle a fait. Bon, j'ai reçu des photos par email et quand je l'ai regardée, ça m'a fait vraiment quelque chose parce que j'ai pas l'habitude de voir des gens qui refont mes créations. On me dit qu'on les refait, mais je les ai jamais vues vraiment faites, je veux dire, sur le papier. Donc, j'ai reçu cette création qu'elle a fait et j'avais l'impression de ne pas voir ma carte. Parce qu'elle était tellement jolie, j'avais l'impression que c'était elle qui avait créé cette carte. Parce que j'avais fait, on va parler de cette carte-là, donc j'avais créé cette carte que je vous avais mis sur un tutoriel sur ma chaîne. Et elle m'a dit qu'elle l'avait reproduit. Mais moi, je pense qu'elle n'a pas du tout reproduit. Je pense qu'elle a créé une carte personnelle à elle. Je vais dire, elle s'est inspirée de ma carte et non reproduite. Parce que reproduite, ça veut dire copier. Et moi, j'aime pas ce mot. Je préfère qu'on dise que je me suis inspirée d'une carte tout en mettant ma touche personnelle. Et j'ai trouvé qu'elle avait mis vraiment sa touche personnelle. Donc, sur ma carte, à moi, j'avais fait des petites dentelles autour. Elle a mis des petites fleurs autour. Je vais allumer parce qu'on ne voit pas très bien. J'espère qu'on va voir mieux avec la lumière. Excusez-moi donc. J'ai un petit problème de lumière. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est peut-être débranché. Donc, je vais voir ça. Voilà. Hop, c'est remis. Donc, normalement, on devrait avoir la lumière. Voilà. Excusez-moi pour ce petit contretemps. Donc, je disais qu'elle s'est inspirée de ma carte. Donc, elle a fait sa carte. J'ai fait des photos de sa carte. Hein. Donc, ça, c'est le devant de la carte. Et ça, c'est l'intérieur de la carte. Nous allons parler du devant de la carte. Donc, elle a mis, avec les tampons Action, les petites fleurs. Donc, elle a fait tout le tour. Et elle a fait le tampon aussi d'Action. Par contre, quand je regarde sur ma carte, elle a agrémenté ses roses, pas comme moi. Elle a fait, c'est vraiment plus joli. Donc, je crois que c'est peint ou c'est avec des feutres à alcool. Je ne saurais pas dire, mais elle n'a pas fait l'intérieur des feuilles. Elle a passé autour et ça fait vraiment une carte personnelle à elle. Donc, quand je la regarde, je ne sais pas comment l'expliquer, j'ai l'impression de ne pas voir ma carte. J'ai l'impression qu'elle m'a envoyé une carte qu'elle a vraiment fait elle-même. Donc, elle a fait les petits cœurs aussi. Elle s'est un peu inspirée de ma carte, mais elle l'a fait selon ce qu'elle était, hein, ce qu'elle voyait, je pense. Hein. Donc, moi, j'en ai mis que trois petits cœurs. J'ai mis trois gros cœurs, comme ça. Elle a été plus fine. Elle a mis vraiment... C'est très, très joli ce qu'elle a fait. Donc, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. À l'intérieur, donc, elle n'avait pas les mêmes coins. Je pense qu'elle n'avait peut-être pas les mêmes coins que j'ai acheté à Action. Donc, moi, les coins étaient comme ça. Elle a fait autrement. Et je trouve ça très, très joli et très, très mignon. Donc, là, vous voyez un petit peu. Donc, j'ai été très, très heureuse de recevoir sa carte. Pour la première fois, je voyais vraiment le travail d'une personne... qui s'inspirait de ma carte et ça fait vraiment quelque chose hein, de la voir réellement. Donc j'y ai tellement pris goût, donc je voulais lancer un petit appel. Donc je l'ai tellement beaucoup aimé, donc je ne lui ai pas demandé la permission de montrer sa création. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas, mais j'étais tellement contente de la recevoir. Je vais dire que son petit nom, elle s'appelle Marie, donc elle m'avait écrit un petit mot pour accompagner que je ne vous dirai pas.
Et donc, j'ai vraiment, vraiment été heureuse de recevoir cette carte. Vraiment, c'est la première fois qu'on réalise une de mes créations et c'est la première fois que j'ai en main une création inspirée par ma carte. Donc, je lance un appel, comme je vous disais, j'aurais bien voulu, si vous êtes d'accord et si ça vous tente, et ce n'est pas une obligation, bien sûr, si vous inspirez de mes cartes et si vous avez fait des créations. Donc j'aurais voulu bien, j'aurais vais mettre, je bafouille encore, je mâche toujours mes mots. Là, surtout quand je suis émue, alors c'est encore pire. Donc je vais vous mettre mon email dans les descriptions et si vous pouvez m'envoyer une petite photo des créations que vous faites en vous inspirant de ma carte, ça me ferait vraiment plaisir parce que là, ça m'a vraiment plu. Donc c'était simplement pour ça que j'ai fait cette vidéo et je voulais absolument la faire parce que j'avais une grande émotion que je devais dire et que je ne peux pas lui écrire de très grands mots à Marie pour lui expliquer le bien qu'elle m'a fait en m'envoyant ces cartes. Alors je le fais par l'intermédiaire de la vidéo. Vous voyez, je parle même vite tellement je suis émue. Donc je voulais lui dire merci, merci, merci beaucoup. Et c'est tout. Voilà. J'ai pas d'autres mots et je ne peux plus parler tellement je suis émue. Donc, je vous remercie d'avoir passé ce petit instant avec moi et qui est beaucoup pour moi. Je remercie mes abonnés et mes anciens abonnés, surtout mes abonnés qui me font le plaisir de faire de magnifiques créations. Je pense que c'est la récompense de toute personne qui a une chaîne, de voir ses créations vivre dans les regards des autres. Voilà, dans le regard des autres. Et vraiment, merci. Je vais m'arrêter là parce que je suis trop émue et je ne vais pas arriver à parler. Je vous fais un gros, gros bisou. Je vous dis à bientôt. Protégez-vous. Merci à mes nouveaux abonnés et mes anciens et à tous ceux aussi qui passent voir ma chaîne. Bisous. Faites attention à vous. Protégez-vous et au revoir.